Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce test match entre Mont-de-Marsan et Agen. À mes côtés ce soir dans la cabine des commentateurs, j'ai l'honneur d'accueillir Thomas Lombard. Nous allons bientôt procéder au coup de saillie. Le match commence. Il est dessous, impeccable. Bonne défense. Le soutien est là avec la percussion de Damiani. Lancement du jeu sur la droite. Ils vont contester ce ballon. Kera, il va récupérer ce ballon en sortie de ruck. Jam qui se fait plaquer par Negroto. Un plaquage qui ne donne rien. La tentative de plaquage de Negroto. Un ballon qui a du mal à sortir pour... Avantage. On va jouer l'avantage. Ballon dispo. Jam a envoyé ce ballon sur la droite. Ballon dispo. La libération, c'est Daro. La balle circule bien. Philippe Ono qui joue avec Philippe Ono. C'est un plaquage. Ballon dispo. On n'attend plus que la sortie du ballon. Lancement de jeu par le demi de mêlée. Et c'est un ruck. Damiani qui se fait plaquer. Elle est dispo. Qui permet à la ligne de se réorganiser. Attention, ça ballon va être un ruck. Ça décide de jouer côté droit. Bien défendu de la part de Wakaya. Elle est dispo. Libération côté droit. Kera avec attention le plaquage haut sur Fouissac. Il n'est probablement pas content d'avoir pris ce carton jaune, mais c'est mérité 10 minutes sur le banc. Plaquage trop mou pour arrêter Macintyre. Ballon, le ballon qui devrait sortir. Kera à la distribution du jeu. Bien plaqué. Elle le ballon va être libéré par... Jouer. Ils ont un avantage sur cette action. Fin de l'avantage. James. Plaque gauche. Elle ça vient dispo. Pour libérer ce ballon. On l'arbitre est décide de laisser l'avantage. L'avantage est terminé. Mont-de-Marsan. Fouissac. Il s'échappe. Il a su bien profiter de l'intervalle. Libération côté gauche pour Ryan. Ballon dispo. Le ballon, le libérer pour Kera. Kera qui met les gaz, qui passe. C'est un pour elle Agen. Est dispo. C'est l'arbitre jouable. Laisse jouer. L'avantage est terminé. L'avantage haut de Cabane. Carton jaune contre Cabane. C'est le plaquage dont vous avez besoin. Hein, ballon pas prendre le... Kera pour une passe côté gauche. Un plaquage décisif. Il était primordial ballon de le stopper à ce moment précis. Un plaquage bien exécuté. Il est parti comme une fusée. Oui, magnifique. Et c'est signé Kera. Et voyons maintenant cette transformation. Transformation qui ajoute 2 points au score d'Agen. Ballon capté par Kera. Tentative de plaquage. Ça va être un contest. Ballon Philippe, dispo. L'arbitre laisse l'avantage. Avantage voyons. Terminé. Il met tout le rideau défensif dans le vent. Il tente de la jouer. Il faut venir au soutien. Elle est dispo.
Ryan, ça peut aller au bout avec cette belle coupe. Que quelques minutes avant la fin de la première mi-temps. C'est un ruck. Elle est venir libérer ce ballon maintenant. Ballon ramassé. Il se remet sur ses appuis pour contester le ballon. Ah, la passe ratée. Au contest pour ce ballon. Ballon dispo. C'est correctement libéré à droite. Quelle défense de Damiani. Ballon pris par Fakintan. Elle est dispo. Magnifique plaquage. Il part avec le ballon. Il est au sol, il va falloir libérer. Kera qui va pouvoir lancer le jeu. Ça va se consommer au point de rencontre. Libération à droite vers Rubio. Plaquage manqué. Ruck pour Agen. Ballon dispo. Il s'ajoute. Se jouer l'avantage. Fin de l'avantage. Faut aller au large. McIntyre qui inscrit cet essai. McIntyre pour transformer l'essai. Ah là là, il n'est pas assez puissant ce coup de pied. L'arbitre siffle la mi-temps. Et le match peut reprendre. Encore 40 minutes pour savoir qui de Mont-de-Marsan ou Agen va remporter cette rencontre. Ce sera donc une touche pour l'équipe d'Agen. Nous allons donc assister à une touche avec 7 joueurs pour Agen. Conserver ce ballon. C'est un maul qui est annoncé. Kera qui joue ce ballon à droite vers Jam. Il fait circuler le ballon. La passe. Tentative de plaquage ratée. Un beau décalage sur le côté. Plaquage réussi. Il crée un point de fixation. Passe côté gauche pour Félix Bono. McIntyre. Ouais, c'est bien joué ça sur le côté.
c'est le plaquage dont ils avaient besoin pour ne pas prendre l'eau. Elle est dispo. La passe sur la droite dans le bras de McIntyre. Plus beaucoup de soutien. Elle est dispo. Kera va passer le ballon vers sa droite. Damiani, ballon dispo. Vient en soutien. La passe à droite pour Fouissac. Libère son ballon après le contact. Elle Kera est dispo. Qui vient poser la main sur ce ballon. Philippe Ono qui est pris par Muzio. Libération du ballon sur la droite. Un ruck annoncé par l'arbitre. Ballon dispo. Va être libéré par Kera. James rate son plaquage. Un joueur de plus dans le ruck. Ballon dispo. Pour venir libérer ce ballon. Avantage. Toujours un avantage. Retour à la faute. Il va y avoir un changement de joueur. Apparemment, ce sera une touche à 5. Ils ont toujours la possession. Après cette... C'est Damiani décide de former un ballon porté. Et les soutiens qui arrivent rapidement autour du porteur de balle. Il passe le ballon à la main, vers la droite. Du renfort sur ce maul, avec le maul de Mont-de-Marsan. Le pack de Mont-de-Marsan est mis à l'échec sur cette poussée de la défense d'Agen. Ballon dispo. Qui permet à la ligne de se réorganiser. La défense est à la rue, il y a un coup. Un ruck à disputer. Elle est dispo. Ça décide de jouer côté gauche. Elle est Ryan dispo. Qui vient poser la main sur ce ballon. Et on arrive dans les arrêts de jeu de ce match. Ballon dispo. Passe à la main sur le côté gauche d'Agen. Ballon dispo. Plus que la sortie du ballon. Il passe le ballon. Salawar plaqué. Ballon Kera dispo. Qui prend son temps pour cette libération. Agen à l'origine dispo. De ce ruck. Ballon libéré correctement sur la gauche. Au contest pour ballon ce ballon. Dispo. Il la joue à la main vers la gauche. C'est un ruck. Elle est dispo. Kera distribue le jeu côté gauche. Plaquage manqué. Vaca mis au sol. Elle est dispo. Jouer. De Marsan qui devrait pouvoir jouer ce ballon malgré la faute. Ils ont contesté ce ballon. Ballon dispo. Et il va la jouer. Un plaquage décisif. Il était primordial de le stopper à ce moment précis. Un plaquage bien exécuté. Il y a avantage en cours pour Mont-de-Marsan. Est terminé. Il tente la percée. Il fait un point de fixation. Ballon dispo. Fouissac envoie ce ballon à gauche vers Philippe. Il a vu l'intervalle. Quel essai. Et ce sera donc la tentative de transformation de la part de McIntyre. Et il enquille. Et l'arbitre libère Agen qui remporte cette rencontre. Et c'est une lourde défaite que l'équipe d'Agen a infligée à une équipe de Mont-de-Marsan. Qui n'était vraiment pas dans son meilleur jeu. Oui, c'est une victoire écrasante à laquelle nous avons pu assister ce soir. Et je pense que leurs adversaires ont toutes les raisons d'être déçus et abasourdis par leur performance. Eh bien, on ne peut que leur souhaiter de se reprendre en main pour prendre leur revanche lors de leur prochaine rencontre. Nous allons...
finalement devoir nous quitter. Un dernier mot, Thomas. Merci à tous et à toutes d'avoir assisté à ce match. Merci aux équipes pour cette belle soirée et merci à vous, Eric. Ce fut un plaisir. On se retrouve très bientôt pour un nouveau match de rugby. Jusque-là, portez-vous bien.